Hop, c'est reparti, comme dirait Elliot. Et regarde, 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 vite, 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 Pour le troisième jour, on a décidé de partir dans les terres, plus précisément du côté de la station de ski du Haut, Asco. Malheureusement, quand on est arrivé, il faisait pas très beau, du coup on s'est calé au bord d'une rivière avant de se prendre une très grosse pluie et l'orage sur le deuxième spot. On a quand même fait quelques plans en drone, mais on a pris la décision de revenir le lendemain pour se faire le cirque de Monte Cinto sous un soleil radieux. Allez, c'est parti! Allez, salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Nous ici, on se régale, on a un temps de fou. Là, on s'est calé sur un spot où on est venu hier, mais on est resté pas très longtemps parce qu'il s'est mis à pleuvoir comme pas possible, orage. Et puis, on est rentré complètement trempé. Du coup, on s'est dit qu'on allait revenir aujourd'hui. On est donc du côté de Asco, il y a une station de ski juste à côté. Là, il y a la rivière, la cascade, là, les falaises juste au-dessus. C'est vraiment un truc de dingue. Ils sont en train de voler en cinéhoop. On s'est déjà fait quelques petites lipos, c'est top. On va sortir le Mavic. Le spot est vraiment incroyable. Il n'y a personne. C'est vraiment sauvage. La rivière, les cascades, les petits bains et tout. Enfin, c'est vraiment un truc de fou. Franchement, on se régale. On a déjà fait des spots de fou. On est allé à Piana, on est allé au Capo Rosso. On est allé faire le gros bandeau aussi sur la côte. À Piana, j'ai perdu mon drone parce que j'ai bouffé une falaise, j'ai fait n'importe quoi. Heureusement, avec beaucoup de chance, je l'ai retrouvé. Voilà, maintenant, on va partir faire quelques petites lipos sur la falaise. Ça va être bien cool. Je vous laisse des petites images et on se retrouve tout à l'heure. Allez, c'est parti. Je vais vous emmener voir un petit peu avec moi le spot quand même avant de vous laisser. Regardez-moi ça. La petite rivière. Petite cascade. Là-haut. Des falaises de psychopathes. Mais bon, toujours en 4S, donc c'est un peu la merde de faire des gros long range. J'espère vraiment passer en 6S, 6 pouces très rapidement. Et voilà, là on s'éclate. On attend les belles lumières. On a quand même fait quelques petites lignes. Et voilà, là je vais aller rejoindre les collègues, on va aller voir comment ça se passe. Il y a Laurent et Elliot qui sont tous les deux en train de voler en HD. Laurent a piqué le drone de Loïc et on va aller voir ça tout de suite. Ça va les boys? Elliot, t'es dans mon vlog là. Stay focus. Stay focus. Elliot et Laurent aussi qui volent en HD. Ah, il est pas loin de craquer. Tout ça pour ça. Hey!
là, il est trop chaud. C'est un 3-3, hein. Non, non, c'est 3-6. Ah, je fais 3-5. 3-5, je connais ça, ouais, 3-5. Et c'est une fin de journée, voilà, nous venons de faire un super spot. On était donc dans le cirque, on est monté après le spot de ce midi au bord de la rivière, on est monté au cœur du cirque pour pouvoir vraiment faire des gros dives de bâtard, voilà, parce que c'est vraiment le terme, des gros dives de bâtard sur les falaises juste au-dessus. Malheureusement, moi j'ai eu un peu de mal avec mon 4S parce que bah, il fait que bugger et du coup bah, il s'envoie toujours... Il remet des gaz tout seul dans les dives. Du coup, c'est assez compliqué de le gérer quand je dive. Mais là, ça y est, c'est bon, c'est décidé. Quand je rentre du voyage, je passe le Storm en 6 pouces et en 6S. Hop, j'ai failli me péter la gueule. Et comme ça, j'aurai plus de problème pour les long range et pour les dives. Parce que c'est vraiment le genre de drone qui plane. Voilà. Donc là, on va se rentrer à la maison, on va aller faire quelques courses, racheter de la charcute, et puis on se retrouve demain pour la suite des aventures. Allez, c'est parti.